trois solutions, la bonne, la mauvaise et la mienne. La normale, la crade et puis la malsaine. Trois options, le bon, la brute et puis pour Atto. Le pire des choix, c'est toujours le mien, Chiquito. Je te fais pas le topo sur le marché du travail, mais disons pour résumer, il y a plus ou moins que dalle. Trois options qui se dégagent, mais sans faire de détails. Trois modes opératoires, du meilleur au plus sale. Petit A, ton CV, tu l'as peaufiné. Dans les agences d'intérim, tu vas chiner. Les annonces, tu vas les chercher toute la journée. Ok, en réalité, c'est mieux d'être pistonné. Petit B, t'es un peu teubé, tu veux rien branler. Tu te vois faire carrière en télé-réalité. Sur Facebook, la tillée, le cul dans ton canapé. Toujours à mater les séries télé, tu connais. Petit C, c'est la mienne, celle où tu galères. L'imprimante est en panne alors que tu l'as réparée hier. La chemise de travers, repassage à refaire. Le DRH à la rage, il te fait vivre l'enfer. Je vois trois solutions pour régler nos problèmes. Je vois trois options, trois putains de stratagèmes. Entre les complications et divers phénomènes, mais y'a la bonne, y'a la mauvaise et puis y'a la mienne. Hostia, la bagnole, c'est toujours la torture. Ici au pays parce que tu n'as pas c'est nos futurs. Pas de solution alternative à la voiture. Juste trois options pourries dans ce cas de figure. Petit 1, t'es pas dans le pétrin car t'es mécanicien. Ou alors t'as un très bon copain qui est mécanicien. Révision tous les ans, t'as toujours le plein d'essence. Tous les points sur le permis, le chouchou des assurances. Petit 2, t'es le nœud, ou alors t'es un gros bœuf. Et t'as cartonné ton wagon, à qui mieux mieux. T'as plus le permis, au fond, t'en as plus rien à foutre. Roulez, bourrez, écartez-vous de ma route. Petit 3, ça c'est moi, toujours un truc qui va pas. C'est la panique, y'a l'autobilan à la fin du mois. Dans l'état, elle passera pas, il faut réparer tout ça. Et comme le veut la coutume, ça va me coûter un bras. Je vois 3 solutions pour régler le problème. Je vois 3 options, 3 putains de stratagèmes. Entre les complications et divers phénomènes, il y a la bonne, il y a la mauvaise et puis y'a la mienne. Pour le troisième couplet, soit t'es bon, soit t'es de la baisse. Mais de façon générale, il convient de faire un 16. Premièrement, t'es à l'aise, blaise, assis sur ta chaise. Et si t'es un bon MC, tu passes n'importe quelle foutaise. Deuxièmement, tu sais pas y faire et t'es dans la galère. Pour tenter de t'en sortir, tu veux faire des rimes en R. Dans ton tube sur YouTube, c'est même pas toi, c'est ton frère. Et puis de toute façon, c'est lui qui écrit tes vers. Troisièmement, t'as dit à Prox que t'avais fini. Mais ton travail d'écriture était vraiment minime. Tu termines de poser ton flow en catimini. Et tu fais mine que t'as pas travaillé jusqu'à minuit. Le lendemain, au boulot, t'as les yeux en troupine. Et tu confonds au pain au chocolat et chocolatine. On est d'origine latine, on dit toujours à la tienne. Quoi qu'il en soit, y'a un timing, il faut que tu t'y tiennes.